Salut à toutes et à tous, c'est Mi82 et on se retrouve pour cette nouvelle année les amis. Bonne année à tous, bonne année, bonne santé, de la réussite dans vos études, voilà. Et puis, on se retrouve pour cette nouvelle année 2015 avec plein d'annonces que je ne ferai pas dans cette vidéo, que je ferai dans une vidéo IRL. Mais voilà, j'ai plein de trucs à vous dire pour cette année 2015, de gros projets pour la chaîne. Donc voilà. Les amis, j'espère que vous êtes accrochés à votre site parce que ça va déménager maintenant. Ça va déménager, ça va plus être la Gary School de 2013 ou de 2014 là. Non, ça va changer. Donc du coup, on se retrouve les amis avec notre petite Lila Merlon. Notre petite Lila Merlon qui avait évolué dans son travail. Niveau 7 quand même dans la carrière du banditisme. Voilà, c'est une grande bandit. Hein. On a toujours notre cher Freddy qui, je pense... Je l'espère, un jour va nous quitter parce que je ne le supporte plus. D'ailleurs, bah tiens, Freddy, vu que tu sers à rien, tu vas aller me réparer les chiottes. Allez, réparer parce que remplacer, nous, on n'a jamais de fric. Oh, putain, non, mais il y a les deux trucs qui ont pété. Oh là là. C'est vraiment la merde. Elle, la pauvre fille, elle a même pas, regardez. Elle a même pas un jouet, elle a que son ours. Vous voyez? Quelle honte, la pauvre. Ça va ma petite chou. Comment elle s'appelle déjà? Victoria. Voilà. Quand c'est pas moi qui donne les noms aux sims, j'ai vraiment du mal à m'en souvenir hein, ça. D'ailleurs elle est en train de crier alors qu'elle dort. Tout va bien. Elle est en train de rêver de je sais pas quoi, de politique là. L'autre, putain la vieille. Oh là là, je vais vendre sa tombe bientôt parce qu'elle va me saouler sinon. Alors, Freddy est très nul en mécanique hein, donc je doute qu'il répare bien les chiottes. D'ailleurs, il est en colère, le mec. On sait pas pourquoi. Ah si, il les a réparés. Nickel. Ouh là là, ça part en couille partout, là. Tu vas aller bouffer, ma petite. Non, mais... Non, elle retourne voir la tombe. Alors, attends. Là, on va régler le souci direct. Ça... Non, mais on peut pas la vendre, là. Normalement, on peut. Adieu. Non, on peut pas la vendre. Bah, placer dans l'inventaire, alors comme ça, elle apparaîtra plus. Allez, c'est parti. Donc, ma petite Lila, je voulais aller te faire bouffer. D'ailleurs, tu pourrais préparer un plat pour ta petite fille. Radine. La pauvre petite, regardez, elle est là avec sa petite briquette de lait. Ah non, c'est un livre. J'ai cru qu'elle avait une brique de lait dans les mains, quoi. Elle est trop chou. Ouais, elle a une tête assez bizarre, mais... Elle est chouquette. Ou elle est en mode vénère là. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Bon allez, si t'es en mode tendu. Oula, elle va discuter avec sa mère. Maman, pourquoi tu te balades toujours à poil? Tu casses les couilles. C'est vrai que la mère est toujours à poil. C'est quoi ce délire sérieux? Non mais elles s'entendent bien, ça c'est cool. D'ailleurs, Freddy qui est en train d'en chier là avec la... Avec la douche, le pauvre. Oui, super. Alors attendez, elle... bah écoute, tu vas aller regarder la chaîne pour enfants. Hein, ça sera mignon. Allez, dépêche-toi, de toute façon ta mère te prépare pas à manger tellement elle est radine. Elle préfère préparer pour elle. Et pourquoi tu vas pas t'asseoir sur le canapé? Non mais parce qu'elle continue à discuter avec Lila quoi. Assieds-toi sur le canapé. Voilà. Hop, elle. On va avoir... du bon manger. Il y a notre mari qui se lève là, la grosse feignasse. D'ailleurs, oh, restez 2 heures concentré sur le jeu vidéo. Ah putain, vous m'aviez dit comment on faisait pour être concentré, je me souviens plus. Oh les amis, je suis désolé. Ah si, les échecs, vous m'aviez dit. Les échecs. Putain, vous imaginez pas la peur que j'ai eue. J'ai vu Madame Gary School. Ça fait flipper. Madame Gary School, venez. Venez vous présenter. Madame Gary School. Madame Gary School. Regardez. Coucou, c'est Madame Gary School. La plus belle gosse de la vie. Mais bon. Et Madame Gary School, allez-vous me faire un petit massage durant ce let's play? Oh là 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 là. Alors là, je peux vous dire que je joue détendu, les amis. Détendu. Donc, oh ouais, elle regarde. Oula, elles sont levées toutes les deux en même temps là. L'autre, elle passe à travers sa mère, tout va bien. Oh, elles se font un calinou. Qu'est-ce que j'aurais voulu faire? Alors elle pour sa carrière là, être témoin de la mort d'un sim. Bon alors on va le faire crever le plus rapidement possible lui. Il en est où? Il en est où? Putain, il lui reste encore pas mal de jours hein. Si ça doit être à fond
Bah, j'espère qu'il pourra mourir avant, mais bon. Ça a l'air compliqué. Si vous avez vu, Madame Grace Cool est très concentrée lorsqu'elle fait un massage et... C'est divin. Divin. Bah écoutez, je vais acheter la petite table d'échecs là pour qu'ils soient en humeur concentrée. Alors oui, non mais moi je suis perdu là, s'il vous plaît. Oh, quoi? Lingot d'or? Oh, énorme! Niveau 7 de la carrière criminelle. Ah mais par contre, ils auraient pu... je sais pas, faire en sorte que ce soit... Ah! Que ce soit, je sais pas, plus cher? C'est des lingots d'or quoi. 860 simflou, super. Non, 890, je suis mauvaise langue, excusez-moi. D'ailleurs, j'ai... Oula, oui, d'accord. Bon, bah écoutez, il y a des amis à moi qui sont en vacances. Enfin, qui se... Non, c'est leur anniversaire, pardon. Je dis que de la merde. Donc du coup, activité et compétences. Allez, les petits échiquiers. On va mettre juste une chaise, hein, pas besoin qu'il y en ait 10 000. Hop. Putain, mais de ta race, Oh putain! Hop, et là, voilà! Donc du coup, on retourne en mode vie. Toi, tu vas aller... Oh là là! Qu'est-ce qui me fout, mon écran, là, de merde? Désolé, les amis. Des fois, il y a des petits bugs comme ça, et tu vas faire... Ah, voilà. Permet de se concentrer. Super. Effectivement, c'est ça. Donc, merci, en tout cas, aux amis qui me disent... Voilà, il faut faire ça, Mika. Parce que vous y connaissez mieux que nous, quand même. N'est-ce pas, Madame Grace Cool? Pas mieux que moi! Voilà. Non, mais c'est vrai que vous nous apprenez pas mal de trucs souvent et c'est cool parce que, ben voilà, au moins on s'améliore et tout ça. Non, mais t'as pas réparé la douche du con, la joie là? Allez! Mais non, mais il mate l'autre dormir quoi, mais. C'est quoi ce pédophile là? Dégage! Frilly de Mêleux. Elle est là, tranquillement. Salut! Elle fait sa petite bouffe. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Jouer dans une cage à poules en étant joueuse? Une cage à poules? Qu'est-ce qu'une cage à poules? Atteindre le niveau 2 de la compétence faculté motrice. Entraînez-vous à taper au clavier sur l'ordinateur ou jouer à l'échelle horizontale. Ah, cool. Alors écoutez, on va faire activer l'aura émotionnelle. Ah, mais elle est joueuse, super. Bah écoute, tu vas aller dans le quartier. Tu vas aller se déplacer. Allez. Alors, je sais pas si elle peut y aller toute seule, ça serait cool quand même. Allez, est-ce que ça va fonctionner? Non, mais. Vas-tu pouvoir partir? Ah! Ça a changé le. Les chargements. Et tu vas aller au parc, hein, parce que c'est là que tu pourras jouer, ma petite gosse. Bon, heureusement! Madame Grace Cool part derrière moi. Non, du coup, je n'entends rien. Non mais heureusement que du coup elle peut y aller tout seule parce que je me suis dit ouais il va y avoir, encore y avoir un truc genre font un parrain et tout. Le truc trop con qui fait chier. Alors hop, ah, elle est toujours d'humeur joueuse, ça c'est parfait ça. Ça c'est la cage aux poules en fait. Jouer. Allez, va jouer ma petite, comme ça on aura notre défi. D'accord, le défi ne se... Ah si. Le voilà. Moi je n'ai pas de patience, je vous le dis. Moi il me le faut de suite. Bah tiens, tu vas jouer à la barre après. Ah, il s'éclate hein. Oula, il y en a un qui veut être méchant avec moi là. Présentation grossière. Mais pourquoi elle fait ça? Elle est comme sa mère la meuf. Elle est comme sa mère. Oh là là, mais c'est une malade. Regardez cette sportive de haut niveau qui pourrait être une militaire endurcie. En tout cas, c'est cool qu'il y ait des nouveaux petits gars là et tout. Ah, attendez, lui c'est qui? Ah, est-ce qu'il est beau gosse? Bon, il est un peu chinois sur les bords. Il me rappelle Cheng. Cheng qu'on avait. Mais c'est son frère jumeau lui ou quoi? Oula, mais lui c'est un bad boy. C'est un bad boy. Écoutez, moi j'ai bien envie d'aller voir ce bad boy. Complimenté. Allez, nous on veut un mec viril. Voilà, vous voyez, il a un petit short vert, un petit short hiver. Ça c'est viril, moi je vous le dis. Ok. Alors où il est? Enfin où elle est elle plutôt? Qu'est-ce qu'elle branle? Elle est où? Ah là voilà. Je sais pas où elle était partie la meuf. Oh, en plus on est assorti. Regardez si c'est pas beau ça. C'était le destin. C'était le destin qu'on soit ensemble. J'avais même pas embarqué en plus qu'on était assorti au niveau couleur. Ok, bah il est content. Se moquer des adultes. Oh, partager. Révéler une brillante invention. Ouais, bah lui dis pas tout parce que c'est lui qui va devenir riche, c'est pas toi, ma petite. Ok?
Voilà, ils sont en train de discuter, ils ont l'air contents. Oh, ouais, ils ont du mal à être plaisantés sur le camembert. Ah oui, ça c'est drôle. On va faire ça. Drôle. Putain, mais tout ce qu'il y a. Raconter une histoire drôle. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parler des jouets. Ah putain, c'est mignon les petites actions qu'il y a, franchement. Parler de son animal préféré. Ah ah! Est-ce que ça veut dire que la prochaine extension sera les animaux? Ah! Non, ne croyez pas que c'est une révélation, je n'en sais rien non plus. Là, il y a tout le monde qui va faire putain, Gary School a dit que c'était les animaux, ça va être ça. Alors que pas du tout. Écoute, après, tu vas jouer ensemble avec l'autre guignol là. À quoi il joue là? Attendez, peut-être que ça va marcher hein, de jouer ensemble là, ça. Là, ils sont en train de discuter de meubles, allez savoir pourquoi. Moi, dans ma maison, j'aimerais avoir des meubles. Putain, mais ils sont tous sur la barre là, ces enculés là. Dégagez! Faire l'imbécile. Ah, on va voir si. S'il aime bien ça. Non, mais en fait, n'espère pas aller sur la barre hein, parce que là, les deux autres, ils vont pas te laisser jouer de toute manière. En tout cas, c'est cool, c'est le petit gang des petits là. Oula, il y a la mère qui se ramène. Putain, est-ce qu'on peut l'insulter? Ce serait énorme! Ah oui, présentation grossière. Alors attendez, on va faire en sorte que la fille soit une rebelle. Genre, qu'est-ce que tu fous là, la mère là? Putain de ta race! Non, mais pourquoi elle marche comme ça là, comme une débile là? Et là, on va faire effrayer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas s'il y a méchant. Méchant, crier sur. Ah ouais! Oh là là! Énorme! Traiter maman de lama. Ah, c'est énorme. Insulté. Oh là là, mais je pensais même pas que les gosses pouvaient faire ça, quoi. C'est horrible d'avoir mis ces actions. Bon, c'est réaliste, mais... Enfin, quoi que je sais pas si... s'ils seraient capables de faire ça, quoi. Ah, voilà, elle est sur les traces de sa mère, là. Moi, je vous le dis. Se moquer de la tenue, oui, parce qu'elle est très mal habillée, en plus. Oula, c'est sa mère. Oh putain, c'est sa mère. Non, c'est pas sa mère. Martinez. Bah non, Liberty Lee. Et pourquoi elle fait une conversation de groupe aussi, cette connasse, là? Putain, mais c'est à cause d'elle. Putain. Non, elle a tout gâché avec son mec. Oh là 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 là. Bon, mais du coup... Mais putain, elle a un bug en plus. Elle arrête pas de marcher comme une débile mentale. Bon, écoutez. On va y aller. On va rentrer chez nous parce que là, c'est n'importe quoi. Oh là là, mais n'importe quoi. Mais pourquoi elle a insulté le petit garçon qui était à côté? Elle est débile. Oh, je suis dégoûté. Je me suis cassé le cul à être pote avec le petit garçon. Bon, on essaiera de l'inviter chez nous, de jouer avec. Enfin, voilà, d'être sympathique. Mais là, putain, je suis dégoûté. Elle allait se trouver un petit copain. Ça aurait été tout chou. D'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas encore de l'action. Et je sais pas, je dis ça, ne l'ayant jamais vu. Ou genre, ils peuvent se faire un petit bisou, vous voyez. Pas un truc genre sexual. Voilà. Non, genre, ils arrivent, les deux gosses, ils font... Voilà, un tout petit truc, tu vois. Ça serait trop mignon. Mais bon... Là, ils peuvent rien faire. Les adolescents, ils peuvent même pas coucher ensemble, je crois, encore. Donc, bon, ouais, c'est assez bizarre. Du coup, Vessie, allez, tu vas aller. Fais pipi. C'est ma préférée, maintenant, elle. Je joue tout le temps avec. D'ailleurs, si tu pouvais, toi, débarrasser tout ça, parce que c'est vraiment cradoc. Vas-y, va débarrasser tout ça. Lui, là, le père, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais non, putain, j'avais envie qu'il soit concentré, là. Vas-y, réfléchis à une stratégie, mon pote. Freddy, bah lui, c'est le seul mec qui est heureux, tranquille. Allez, à deux rencarts, on essaiera de faire ça. Elle, bah du coup, j'aimerais bien que t'ailles t'entraîner à taper au clavier. Ah oui, voilà, s'entraîner à taper au clavier. Voilà, fais ça, comme ça, au moins. Voilà, elle aura son petit point, là, elle sera contente. Lila est en train de se mater la TV. Être témoin... Putain, mais être témoin de la mort, j'ai trop envie, là. Quelle est ça? Quoi? Non, c'est pas l'anniversaire à Lila. Non, me dites pas ça, me dites pas ça, me dites pas ça. Dans deux jours, elle est âgée. Oh, putain. Non, mais là, défi ultime, les amis. Défi ultimo.
c'est d'avoir assez de points pour pouvoir s'acheter la potion de jeunesse. Oh, ah non, Lila, elle peut pas nous partir quoi. Oh, mais putain! Putain, elle a assez! Alors attendez, là je suis concentré là, les amis, parce qu'il faut pas déconner! Oh putain! Alors attendez, elle a le droit à quoi? Elle a 2890 points, c'est pas mal quand même. Captivante, visionnaire, vessie d'acier, sans gêne, indépendante, esprit d'initiative. Oh putain, j'aimerais bien ça. Oh là là, j'aimerais beaucoup. Lectrice rapide, ça serait pas mal aussi. Écoutez, on a assez pour lectrice rapide et la potion de... Putain, j'ai failli acheter minceur. Non, jeunesse. Voilà, on achète jeunesse. Et on va acheter, du coup, il nous reste 1390 points. Fertile, insouciante, jamais fatiguée, savante, main verte. Ouais, non, après ça, c'est pas très intéressant. On reste pour esprit d'initiative. Je sais pas trop, du coup, les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, écoutez, on va faire ça, lectrice rapide. Allez, c'est parti. Du coup, dans son inventaire, elle a la potion de jeunesse. Oh là là. Non mais bois-la. Bois-la direct. Bois-la direct, ma petite Lila. Là. Putain. Bon, du coup, il lui restait 2 jours. Combien il va lui rester, là? Oula. Ça s'est mal passé. Putain, yes, ça a remis à zéro. Yes. Oh, je suis trop content. Je suis trop content. On a encore du beau temps avec Lila, je peux vous le dire. Ça, c'est nickel. Ah, du coup, elle est partie travailler, mais putain, non. Oh, j'ai pas la compétence malice. Putain, fait chier, quoi. En plus, elle y va tendue, alors ça, c'est génial. Écoutez, on va faire travailler... travailler dur. Travailler dur, comme ça, au moins. Bah, elle sera tendue aussi, mais bon, au moins, elle aura des meilleures compétences. Ah, alors attendez, elle a dû avoir son point. Ah ouais, cool. Satisfaction. Ah oui, mais en fait... Oh, physique avantageux, elle aura. Oh, cool. Atteint le niveau 5 de la compétence faculté motrice. Donc du coup, attendez, j'ai mon portable qui sonne, c'est génial. En pleine vidéo. Putain, qui c'est qui m'appelle? Bordel. Hop, donc, ok. Faculté motrice. Pff, niveau 5. Ça va être long, mais lui parle tout seul, ta gueule. Putain. Ah, rester 2 heures de jeu vidéo. Alors attends, tu vas dégager toi. Quoique, oui non, tu vas dégager. Et tu vas faire jouer à Big Block là. Allez, toi t'arrêtes de jouer à l'ordi là, sale geek. Hop, tu vas aller dans ta chambre et tu vas faire serrer l'icône dans ses bras. Éclairage automatique, tous les éclairages. Voilà, comme ça, elle a la lumière quand même. Non mais mec, oh non, putain, il est redevenu tendu. Mais il fait chier ce mec. Putain. Non, 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 jouer à Big Block. Putain mon gars, sérieux. J'ai envie là que tu fasses ton truc super bien. Ok, super, super, super. Allez, fais 2 heures mon gars. 2 heures de Big Block. Putain, fais chier. En fait... Alors en gros, si j'ai bien compris ce défi, il y a des défis quand même qui sont assez... pas complexes on va dire, mais qui sont sympas à faire franchement. Allez, deviens concentré mon pote. Voilà, et là bam, direct, jouer à Big Block. Allez, dépêche-toi mon gars. Ouais, il reste 4 heures, bah, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc du coup, là... Oh, d'ailleurs concentré, apparemment il s'améliore en informatique, ou juste en jeu vidéo. Je sais pas du tout. Ah, mais c'est sympa. Allez, espérons qu'il reste bien les 2 heures. Allez, mon gars. Reste concentré. Tu vas avoir ton truc de l'informatique. D'ailleurs, ah ouais, après, il sera maître du web. Cool. Ah, franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, en fait. Quand... Yes. Ah, et l'ordi est pété, putain. Ah, la blue screen énorme. Ah, c'est trop classe. Allez hop, on est en train de le bricoler, l'ordi. Toi mon petit gars, tu vas aller... Oui, fais pipi. Et la fille, elle fait quoi? Elle est déjà debout?
Oh, mais la conne, putain. Dormir, va dormir, s'il te plaît, là. Va dormir ou je t'éclate. Tu vas dormir, voilà, tranquille, et tu vas dormir. Mais non, mais je veux qu'elle dorme longtemps. Mais putain, mais oui, mais forcément. Pourquoi elle dort pas jusqu'au lendemain? Oh putain, lui il a réparé l'ordi, mais il est défoncé donc il va aller dormir. Notre petite Lila, j'ai l'impression que. Bah, elle travaille dur, elle travaille dur. Et pour l'instant, elle n'est pas tendue, c'est ça qui est marrant. Alors attendez, je regarde un peu. Bon, peut-être qu'elle va pas mal augmenter en compétences. Hein. J'ai hâte qu'elle revienne. Elle revient à 3 h. Bah écoutez. Ah! Bah c'est tout! Ah bah putain, là, ouais, elle a pas beaucoup. Alors, travail dans 4 jours. Ah ouais, en fait, on a pas mal de jours quand même pour avancer, quoi. Allez, ma petite Lila, tu vas aller déjà prendre une douche et puis tu vas aller dormir. Putain, je suis dégoûté. J'ai envie qu'elle augmente super vite, en fait, au niveau du travail. J'ai envie qu'elle augmente à fond et tout et que oh qu'elle soit au niveau 10 de la carrière, ça serait top, quoi. Voilà, ça serait une femme qui aurait réussi dans la vie très bien, sans l'aide de personne, vu qu'elle n'avait aucun mari ni rien. Hop! Alors, ma petite Victoria. Effrayée par un fantôme, la pauvre. Tu vas manger un repas rapide, tu vas manger des céréales. Voilà, devant ta petite télé là. D'ailleurs, c'est la chaîne pour enfants ça ou. Ça fait. Non, mais elle fait flipper la chaîne pour enfants quoi. Regardez la chaîne pour enfants, les psychopathes quoi. Ils font flipper hein. Voilà, du coup elle a éteint la télé. J'ai dit ça, elle a éteint la télé, elle était vénère. Ça c'est quoi? Ah oui, c'était une grenouille qu'on avait. La grenouille qu'on doit jamais nourrir et tout, c'est très con. Non mais par contre là le fantôme il est assez chiant quoi. Ah mais c'est en plus c'est Freddy, putain, mais il est casse-couille, sérieux ce mec. Mais il peut pas aller dormir et pas faire chier. Allez, va dormir. Voilà. Elle, comme ça, elle peut manger tranquille. Ouais, parce qu'en gros, c'est le fantôme qui lui fait peur, la pauvre. Elle a rien demandé à personne, elle. Toi, tu vas aller prendre ta douche. Oh là, Lila, elle est en plein kiff. D'ailleurs, il n'y a plus aucune interaction amoureuse entre les deux, là, les pauvres. Elle qui travaille tout le temps et lui qui est à fond dans son informatique, là. D'ailleurs, si j'y pense. Si j'y pense. Atteint le niveau 3 de la carrière gourou des technologies. C'est exactement ce qu'il est, non? Ouais, gourou des technologies, ok. Bah ouais, la prochaine fois qu'il va au travail, bah donc du coup demain. Enfin non, ça c'est aujourd'hui. Dans 2 jours tu travailles, mais pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés, je crois. Je sais plus. Créer un jeu vidéo ou une application. Oh, sympa! Mais écoutez, on va tenter ça. Oula, elle est en train de tout défoncer. Bon, dès que tu te lèveras, t'iras pisser et t'iras servir le petit déjeuner, tu vas servir des toasts avec des œufs. Elle fait quoi? Ah, mais on a 5000 simflouzes! Bah alors attendez! On va pouvoir meubler sa chambre à elle! Hop! Alors je suis désolé les amis, je regarde toujours à peu près le temps qu'il nous reste. Parfait. Donc du coup, meubler sa chambre, on va meubler avec des petits trucs sympas. Enfin, voilà. Hop, parce que là c'était assez vite quand même. Tableau en liège bien organisé. C'est sympa ce truc là. On le met là, là, comme ça taille. Ouais, bon, ça fait pas terrible. Ok. non, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Activité pour enfants, il y a du violon, c'est sympa. Pourquoi celui-là est à 185 et celui-là à 320? Divertissement 3. D'accord. Je sais pas trop ce que c'est. Ok, bah écoutez, j'ai bien envie de faire ça là, de lui mettre ça. Sa petite table là de petit génie. Hop. En jouer. Alors les maisons de poupées, mais sont trop grandes dans ce putain de jeu. Mais vraiment trop grandes quoi. Oh, on se demande pourquoi ils ont fait des trucs aussi grands. Non, après je sais pas, elle peut prendre bah, son petit coffre à jouer. Hop. Morceau d'argile, bah putain, ça c'est les parents radins qui offrent ça. Et puis ouais, pourquoi pas dans le jardin qu'elle est ça là. Ça pourrait être marrant. Voilà. Nous, il y a pas mal d'activités dans notre jardin. Niveau de décoration. Non mais j'ai pas envie de construire des escaliers là.
Niveau décoration, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Y a pas trop, ouais, de tableaux, de petits trucs comme ça, c'est dommage. J'aurais bien acheté, ouais, je sais pas, une table ou... Ça, c'est trop grand. Ouais, on pourrait mettre ça, pourquoi pas. Ça... Ah, si, il y a la table de chevet, on va mettre celle-là. Voilà, elle a une chambre très girly, hein, là. Et on va mettre un petit éclairage. Hop! Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ouais, il y a vraiment des trucs de merde, quand même. On va mettre le petit panda qui tient un truc rose. Voilà! C'est une meuf contente. Hop! Voilà, elle a une belle petite chambre, là. Hein. Là, vous pouvez pas dire, là, les amis. Hop, et du coup, bah tiens, tu vas faire ça, dessiner des formes. Voilà, c'est une activité très enrichissante. Lui, il nous fout quoi, là? Bon, mais par contre, mec, t'as assez dormi, là, non, quand même? Bah oui, allez, t'as assez dormi. Allez, debout, mon gars. Comme ça, il fait pipi, il va préparer à manger. Ah, la compétence créativité. C'est chaud, on la voit dessiner. Putain, mais c'est énorme. Là, on voit le trait du crayon et tout. Oh, mais c'est super bien fait, ça. Oh my god. Ah, franchement, ouais, il y a des trucs bien faits. Bon, après, ouais, ça part, ça disparaît, mais... Oh, c'est bien fait, quand même. Oh, putain. Vous avez vu qu'il dort? Le nounours, il dort. Je suis sûr, il va se réveiller. Ah, c'est bizarre, ça. Ça fait autant flipper que les poupées là qu'il y avait avant, hein. C'est un tueur en série. Ouais, tu vas faire ça. Ensuite, tu vas aller. Mais attends, essaie d'aller faire parler. Raconter une histoire. Vas-y, tu vas faire ça. Juste pour voir s'il se réveille. Hein, il est en train de dormir là, c'est bizarre. C'est marrant, hein. C'est. Marrant mais bizarre en même temps. Livre de devoirs d'école primaire. Oh, sympa. À faire ses devoirs. Je pensais même pas qu'elle avait des devoirs. C'est... Ah, c'est marrant. Ouais, moi... Ah, mais putain, mais c'est parce que je confonds toujours avec Bambin. Ou... Vous voyez, j'ai l'impression que là, du coup, c'est le stade limite entre le bébé et le Bambin. Enfin... Alors que non, pas du tout, c'est un enfant. Mais j'avais complètement oublié que les enfants avaient des devoirs pour l'école. Très bizarre. Alors, Lila, elle est en train de se réveiller tranquillement. Elle va prendre une portion. Et puis après, bah, t'iras regarder la chaîne Humour. Comme ça, hop, elle sera de bonne humeur. Je regarde juste à combien on en est, les amis. Super. Comme ça, je ne dépasse pas le temps de vidéo. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tout le monde est méchant? Ah, il était au travail, lui. Bah écoutez, il risque d'avoir une promotion quand même. Bah, c'est l'heure du travail. 9h, 17h. Mais va au travail, mon pote. Qu'est-ce qui nous branle, lui? Bah super, le mec va être en retard au travail, quoi. Mais le boulet, quoi. C'est vraiment un boulet, ce mec. Toi, tu vas aller... Alors, ça, surtout que je voulais regarder. Créer un jeu vidéo, mais est-ce qu'il peut le faire, ça? Carrière peut-être? Non, c'est pas ça. Programmer. Modifier des jeux. Non, on peut rien faire. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on peut pas. C'est assez bizarre. Peut-être qu'on pourra niveau 3 du coup. Tu vas aller chercher des petites pièces. Voilà, je me suis muté, les amis, pour pas que vous ayez mon super toussement. Hop. Elle est en train de faire ses devoirs. D'ailleurs, comment on sait qu'elle a fini les devoirs ou pas? Bah, je sais pas, apparemment, ça le fait tout seul. Mais elle aime bien faire ses devoirs, en tout cas. Hop. Nickel, ma petite. C'est parfait, tout ça. Hop, bah, tu vas aller grignoter ça, et puis après, tu iras t'entraîner. T'iras t'entraîner pour avoir tes compétences à fond. D'ailleurs, Lila, du coup, je vais regarder où est-ce qu'elle en est, elle. Ah oui, bon, faut attendre qu'elle ait le truc de la mort. Et après, elle sera niveau 4, du coup.
Putain, ça risque d'être énorme. Oh, j'ai trop hâte que le mec meure devant elle. C'est salaud, mais c'est la vie. Les amis, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à mettre un commentaire. Et puis moi, je vous dis à tchao tchao pour de nouvelles vidéos. Salut! Salut à toutes et à tous, c'est Mi82 et je voulais vous souhaiter en personne, en une vidéo, une très bonne année à tous, j'espère en tout cas.